Salut les amis, Christelle est là. Voilà, alors petit bac, on a réussi à tout mettre dedans. Ce ne fut pas sans mal. Ça, c'est clair. Bon, il faudra peut-être abandonner des choses, on verra bien. Mon polar prend la place. Voilà, et je sais pas si on n'a pas trop de chinis aussi qui prennent de la place. Mais voilà, on a tout réussi à mettre. Maintenant, voici donc la petite moto que je vous remonte. Et on en a pour... Et là maintenant, on en a pour 1h30 jusqu'à Ayutthaya. Enfin, 1h30. Voilà, on espère. Un peu plus parce qu'on doit s'arrêter pour manger et boire. On espère, on verra bien. Christelle est très rouge. Ouais, c'est pas normal. C'est très très rouge. Apparition, voilà. Je ne sais pas combien de kilomètres on vient de faire, mais il nous a fallu presque 2 heures pour sortir de Bangkok. Ouais. Donc là, nous sommes... C'est long. Voilà, et puis il faut faire attention parce que, voilà, ils roulent comme des cinglés. Là, il nous reste 40 kilomètres pour arriver à notre point d'arrivée. Waouh, je me répète, quel beau français. Ouais, et deux arrêts entre eux, à mon avis, pour boire, parce que dans plus là. Oui. Ah, c'est le marché flottant là-bas en fait. Ben à gauche, mais je sais pas où exactement, mais il est mis floating market. Ah voilà, il y a un temple là-devant. Enfin, j'ai dit. Voilà, on va visiter. Alors bon, bah, c'est le cagnard et tu as droit à avoir un parapluie. Voilà Christelle, et il ne pleut pas, hein. Mais on a droit à une petite ombrelle. Oui. Waouh. Alors les amis, centre historique d'Ayutthaya. Alors. J'ai interdit de monter sur la tête du Bouddha. Voilà. Ben oui. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. Bon, 5 minutes. Bon, maintenant on recommence. On va marcher avec mon beau parapluie. Hop, t'as fait la pause. Je suis toujours rouge comme une écrevisse. Mais je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est... Avec la visière du casque, tu n'as pas plus proche du soleil, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Puis de toute façon, au-dessus de la tête, ce n'est pas possible puisque le casque va au-dessus de la tête. Je ne vais même pas. Rappelle-moi, et je vous le dis, comme ça je. De prendre les micros tout à l'heure pour quand on fait quelque chose. Parce que les micros sont dans la caisse et je ne pense jamais à les prendre. Et ce sera mieux si on met les petits micros. Moi aussi j'ai des mouchettes. Ouais, les mouchettes aiment bien. Parce qu'on a chaud. Bon, allez, au lieu de
de morfler comme des petits malades. Tu fais une phrase, oui. on dirait de morfale sur bon, on est mort. On va y aller. Mais le trajet en moto, c'est difficile. Mais bon, voilà, à mon avis, il faut un petit peu de temps de s'adapter. Pourtant, moi, je roule tous les jours en moto et je te dis que c'est difficile. Hop, allez, en avant. Allez, go! Profitons de tout ça. De l'ombre. Vous montrer que la nature reprend ses droits quand même après des centaines et des centaines d'années. L'arbre, il a poussé carrément dans un morceau du temple là. À mon avis, ici, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines d'années pour que ça reprenne ses droits, sais-tu? Il a un long bec et une petite crête. Et c'est pour ça que je le filme. Je ne sais pas si on le verra bien ou pas. Ben j'espère. Que j'essaye un truc. Attends, parce que je suis accroché. Oula, pardon. Je ne sais pas si on le verra. On verra. Cours pas à tous les sens, il y en a partout. Il y a plein d'oiseaux partout, il y a plein d'animaux partout. C'est ça, il ne faut pas grimper sur la tête du Bouddha sans tête. C'est marqué ça. Comme je peux voir, il n'y a pas que moi qui marche la bouche ouverte. Tous les oiseaux marchent la bouche ouverte. Donc, je suis dans la norme thaïlandaise. De quoi ? Rien. Tu verras à la vidéo. C'est reparti pour un autre temple. Donc en fait, je ne sais pas si j'ai expliqué tout à l'heure, il y a deux prix. Il y a le prix pour les Thaïs, 10 bahts, et le prix pour les étrangers, 50 bahts. Voilà. Thank you.
Bien les amis, j'ai l'autorisation, de façon je la prends, de monter. On va tenter le coup. Bon les amis, je viens de monter, d'escalader, mais j'étais en conférence vidéo avec mon pote Fred. Donc je n'ai pas filmé mon ascension. Mais je vous montre un peu ici, la vue d'ici au-dessus. Je suis tout seul pour l'instant ici en haut, je suis le seul couillon à être monté. Non, il y avait des gens qui y étaient, mais voilà. Donc je vais remonter par où je viens de descendre et redescendre par l'autre côté. Comme ça, on peut regarder un peu. Enfin non, je vais pas remonter. J'ai trop le vertige. Déjà, aller te monter une fois, c'est bien. Christelle, elle est quelque part en dessous là-bas. Et alors, je vais redescendre par ici, en essayant de ne pas me gameler. Voilà. Hop. Et je fais doucement, car c'est Astérix et Péril. Je n'ai pas le droit de tomber. Voilà. Hop là. Et ici, on a plus rien pour se tenir. Voilà, il me reste 4 marches et c'est toujours sur la dernière que tu te gamelles. Ouf. Voilà. Je viens de là, les amis. Je viens de là au-dessus. Oui, vous m'emmenez? Ouais, allez bien. Bon, allez, au revoir les gars. Alors, vous voulez voir ce que c'est la fête de l'eau? Mais il y a tellement voilà. De bruit. Bon, ben voilà. Il est peut-être fort haut avec... il est peut-être fort près de ma bouche, je n'en sais rien. Alors...
là, il fait tout mouillé, hein. Voilà. Tu fais coucou. Ouais, bah ouais, mais ça c'est. Quand on n'est pas sorti de la rue, on va ramasser sur notre gueule, hein, les gars. Voilà. Ouais, ouais, ben c'est ça. Hein. Voilà. Ça y est, c'est fait. On a encore ramassé. Il n'y a rien à faire. Tant que c'est pas fini, on va ramasser à chaque fois. Je suis toujours dans le rouge quand je parle un peu moins parce que je l'ai descendu en fait. Parle un peu, toi. Et moi, je suis toujours là. Faut. Voilà. Merci. Il faut sortir d'ici à tout prix. Ça, attends, c'est pas mieux de l'autre côté, je crois. Bon, ben voilà. Voilà. Ça, c'était la route. De toute façon, c'était hors de question de sortir avec la moto. Hein. Non. T'aurais pas pu. Alors, dash plus blanc que blanc. Voilà, nous voilà enfin à l'hôtel. Désolée, c'est la troisième fois que je recommence parce que Thierry est insupportable et qu'il n'arrête pas de me couper tout le temps. Mais donc, je coupe pas. C'est grave hein, ça. Hein. Allez, continue, tu coupes pas là maintenant. Donc, non, je te couperai pas comme ça, on va rigoler beaucoup. Ouais. Hein. Donc, vous, comme vous le voyez, ben, j'ai encore été bénie. J'ai été lavée de toutes les mauvaises choses qui se sont passées cette année. Pour recommencer l'année. À mon avis, t'as pas mis assez de poudre alors, hein. Vous savez, un meurtre en Thaïlande, ça se voit pas. Hein. J'ai des billets de retour. Mon billet de retour, il n'y a pas de problème. Je pourrais tuer attends, quelqu'un. Explique pourquoi je viens de dire ça, en fait. Elle a dit, je viens d'être lavée pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Donc en fait, la poudre qu'ils mettent, c'est pour porter chance, supprimer les mauvaises choses. Donc j'ai dit pour rire qu'elle avait fait que des mauvaises choses l'année. C'est ça. Eh bien, toi et ton nom, pas mis assez du tout, je pense. J'ai dit pour toi. Hein. Et toi aussi. Ouais. Ah oui, toi, ça disant, ouais. Ils ont compris que ça ne servait à rien. C'est vrai que le démon, on le lave pas de ses péchés, hein. Donc, sur ce, bah moi je clôture le vlog. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un petit j'aime sous la vidéo. Comme ça, vous ne louperez plus aucune de nos vidéos. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, en fait. Mais le truc qui est important, c'est comme ça, bah moi je serai référencée. Laissez-nous un petit message en dessous. Mais on s'en fout de tout ça tant qu'ils s'amusent de nos conneries. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut être con. Et sur ce, ben, je vais vous laisser. Alors voilà, le défi du jour. Refaire le Bouddha. Bonne chance ceux qui aiment les puzzles. Amusez-vous bien.